Salut, salut, c'est Franck. Et ben, petit débrief sur mon entraînement de mercredi soir en fractionné. Je suis parti comme d'habitude, un petit peu de marche et puis après une bonne demi-heure d'échauffement, enfin un rythme tranquille pour bien se mettre en jambes et échauffer tout le corps. Alors ça devient un peu plus compliqué, je trouve, là maintenant avec la nuit qui arrive plus vite, la température qui ont bien baissé. Il fait pas encore vraiment froid le soir, mais c'est voilà, faut trouver les repères, là, des nouveaux repères, faut ajuster la tenue. Donc j'avais remis un t-shirt à manches longues, mais j'avais une polaire sans manches, mais c'était presque trop. Enfin voilà, j'étais. Ça, c'était la partie un peu loupée de cet entraînement. Après, avec un début de semaine au boulot un peu ardos, donc je pense que ça a dû jouer sur l'entraînement, parce que pour le coup, sur les deux séances de 10. De 10 fractionnés, là, de la première séance en 45 vite et 30 lents. Plutôt bien, j'ai tourné toutes les séries entre 4-10 et 4-25, donc j'étais content, c'était bien. Et quand j'ai attaqué la deuxième série en 30-30, bah pour le coup, il n'y avait plus beaucoup de répondants dans les jambes, ça a été compliqué, compliqué. Et j'ai dû tourner, allez, on va dire, entre 4-30 et 4-45. Alors, ce qu'il y a eu, il y a un mois, j'aurais été super content de faire ça, et maintenant que j'ai progressé, je suis super déçu. Comme quoi, tout est relatif en fonction du moment où on le fait et du moment où, de quel niveau d'entraînement on a fait. Donc voilà, c'est tout, malgré tout, tout est relatif. C'est quand même plus vite que ce que je faisais il y a quelques temps, donc c'est quand même satisfaisant, mais avec d'assez mauvaises sensations, faut reconnaître. Et après, bah, le petit retour en rythme tranquille s'est bien passé, mais je me suis un peu forcé à courir alors que j'aurais bien un peu lâché l'affaire et j'aurais bien marché. Ça aurait été beaucoup plus simple, donc je suis plutôt content d'avoir réussi à tenir la course à pied. Voilà, donc c'est ce week-end qui arrive, et ben pour le coup ça va être du long. Là, j'ai prévu une grosse sortie longue dimanche pour vraiment travailler là en même temps un peu l'alimentation et la boisson sur un peu 4 heures d'effort. Donc on va voir ce que ça va donner, et puis voilà, je ferai un petit débrief la semaine prochaine. Allez, salut, salut, ciao.